Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Ghosty et bienvenue pour un nouvel épisode de Spider-Man 2. Aujourd'hui, on continue l'histoire de Spider-Man 2, bien évidemment, comme d'habitude. Et on est à 88% du jeu à l'heure actuelle, donc on n'est plus très loin de la fin, je vous dis encore quelques épisodes. Je pense que si je fais tous les épisodes cette semaine et tout ça, il y a moyen qu'on termine une bonne fois pour toutes Spider-Man 2. Ou alors, on le termine tranquillement. Voilà, on le termine tranquillement, avec quelques épisodes par semaine. Vous allez bien? Et J'ai fait du souci. aussi, Hogwarts Legacy, c'est bientôt son grand retour. Donc, du coup, voilà. Bientôt le grand Mais retour de parfaitement Hogwarts vide. Legacy, parce qu'on me l'a demandé, hein. On m'a demandé, c'est quand que je recommence Hogwarts Legacy, C'est la etc. mienne Donc, aussi. du coup, Harry m'a parlé de son j'aurais traitement. pas trop le choix, quoi. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche, même. J'étais Faut juste heureux vraiment de que je fasse t'envoyer lui dire ça, mais que je continue la je peux saga, quoi. encore le Enfin, faire. que je continue Hogwarts Je vous Legacy. préviens si j'ai des nouvelles, monsieur Osborne. Donc voilà. D'accord. On a pas trop le choix. C'est gentil. Entre The Last of Us Partie 2, Spider-Man 2 et Hogwarts Legacy, on n'est plus très loin de la fin pour Spider-Man 2, quoi. Hogwarts Legacy, je crois qu'on est à 40% à peu près en mode Le histoire. chasseur se fera Voilà. ravitailler? Donc ça va, c'est plus. J'aurais C'est dû plus très payer. loin, ouais. Ça va. On est plus très loin de la fin, quoi. Et alors? Ne laissez pas s'échapper! Vous déménagez? J'espère que vous quittez la ville! Allez, ça dégage. Hop! Ça dégage aussi. Aussi, ça dégage. Donc, que va-t-il se passer pour la suite de l'histoire? On verra bien, écoutez. Hein. Pour l'instant, on s'occupe des méchants et après, on verra bien. Voilà. Ça dégage. Hop, toi aussi. C'est bon? Y'en a plus? Allez, encore ça. C'est bon. Celui-là aussi. What? Il y en a encore combien là? Il y en a encore combien des chiens de travail? Voilà, ça dégage. Ça Bonjour, arrive. bonsoir. La logistique, c'est pas mal compliqué en ce moment. Allez, go. Nous sommes presque 2900, 2800 mètres. Ouais, c'est l'autre bout, quoi. On peut pas y aller en voyage rapide par hasard? Je suis curieux de savoir. J'ai pas le voyage rapide, j'ai l'impression. C'est problématique. Alors, on a un truc de Marco là, souvenir de Marco. Souvenir de Marco, on n'a plus très plus grand chose, hein. 1, 2, 3. Après, je sais pas. Faut voir. Faut explorer la ville. Alors on va essayer d'y aller tranquille. C'est vrai que c'est chiant, j'ai. On peut pas balancer de toile là. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Problème. Allez, on surf. Ouais. C'est bon. Sauver les clients. Ok, apparemment, il faut sauver des clients. What? J'ai eu un bug là. Sorte de bug, ouais, à peu près. Restez à l'intérieur! Je laisserai personne vous faire de mal! Plein de symbiotes. Je peux les dégager. Les massacrer, les éradiquer.
Ah, sauver les gens, des symbiotes, hein, j'ai envie de dire. Ce serait plus... plus correct. Pour ma part. Parce que bon, on les tuer, non, on les tue pas vraiment. Bon. On les dégage des symbiotes, quoi. Tout le monde va bien ? Par précaution, je vous conseille de rentrer chez vous dès que possible. Ça fait un peu bizarre. Ouais, je tue les symbiotes et tout. Non, on peut pas les tuer. Ils reviennent à chaque fois. C'est mort. Là, on n'est pas trop loin d'un souvenir de Marco. Mais après, le principal, c'est les quêtes... c'est la quête principale le plus importante dans l'histoire. Bah, après, on pourrait faire des quêtes secondaires et tout. On verra bien s'il en faut ou pas. Si c'est obligatoire ou pas. Par contre, là, j'ai un petit truc à récupérer, là. Hop, 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 hop. J'aimerais bien le récupérer, celui-ci. Non, merde, je suis pareil. C'est encore un crime. Eh ben, je peux pas le récupérer. Ramasser Spider-Bot. Si t'étais pas un robot, tu serais certainement venimeux. Alors, voyons voir un petit peu. On a les tenues, on a les composants des tenues. Donc, on va voir un petit peu ce que je peux faire. Tenue de toile. Oh, de Spider-Man 1. Eh ben écoutez, en tant que nostalgique, eh ben, je vais prendre cette tenue. Ça me rappellera les premiers Spider-Man, j'ai envie de vous dire. Pour Miles, bah, on a cette tenue, donc c'est déjà pas mal. Franchement, je suis content. Parce que les autres tenues m'intéressent pas plus que ça, à part à la rigueur celui-ci, qui est pas mal. La techno avancée, à la rigueur aussi, c'était pas mal. Bon, après le reste, bon, je trouve un peu... c'est moyen en vrai. Hein. Concentration. Déplacement, plutôt déplacement, je dirais. Acrobat. Charger, le saut chargé et le tir lance-pierre vous propulsent respectivement plus haut, le plus loin. Le lancement atteint leur puissance maximale. Ouais, plutôt ça, je dirais. Hein. Balance un spectaculaire, on s'en fout. Les gadgets. Alors, est-ce qu'on peut faire un nouveau gadget? La toile ricochet. On peut pas, on peut pas. Pour l'instant, on peut rien faire ici. Ah si, il y a une petite amélioration apparemment de ce que j'ai vu. Pour le lance-toile. Je sais pas si... ah, on peut le faire. Si, si, zone entoilée. Ok, tire 3... alors, tous les 3 tirs de toile sur un même adversaire génèrent une zone entoilée qui couvre de toile les ennemis proches. Eh ben... ça, c'est très bien. Spider, barrage, percussion. Ouais, force brute. Plutôt ça, je dirais. Choc électrique. On va mettre ceci aussi. Comme ça, on a tout complété, là. Saisie symbiotique tentaculaire. Ouais, mais ça, on a plus le symbiote. On va quand même faire toute la page de Spidey. Mice, il reste 3 trucs. Un truc à débloquer. Donc je pense que c'est la dernière évolution bah, de Mice, je pense, dans sa compétence, bah, dans ses compétences, je suppose. Il semblerait que les choses c'est magnifique. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs, ça. Tant de souvenirs. Oh là 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 là. J'aimerais bien découvrir qui. Il faut récupérer tout. Waouh waouh waouh. Mais non, mais non. Bien joué, Gang. Oh, c'est trop. On en sait un peu plus là-dessus. Ça me manque tellement. Je vais me refaire les premiers Spider-Man. Spider-Man, ouais, bravo. Spider-Man, je crois. Faut que je les refasse. Faut que je les refasse. Ça fait tellement longtemps. Oh oui. Vas-y, dis la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est que le Spider-Man original semble enfin être redevenu lui-même après s'être débarrassé de ce costume. Et mauvais. La mauvaise, bah, mauvaise. Trop tard. C'est pas grave. Oula. Ah oui, d'accord. Gagné, là. Harry n'a pas chômé. Ouais. Heureusement, l'équipe de nettoyage est arrivée. Oh, la tenue de Miles aussi. Oh, 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 ça c'est bon, ça. Alors, on peut pas utiliser Mice pour l'instant, dommage. J'aurais bien voulu. Gang,
Qui m'a dit qu'il y avait des civils coincés à l'intérieur? Apparemment, cet endroit leur servait d'abri. On les sortira de là sains et saufs! Non, mais d'où ils sortent tous? On dirait qu'il veut se faire une armée. Sa version à lui, c'est qu'il essaie de guérir le monde. Ouais, c'est ce qu'il dit. Allez, bim! Dans leur gueule. Vous aimez pas ça? Vaut mieux dégager le passage. Hop là! Il y a une sortie de secours là-haut! On y va! Ah, ça c'est pas bon. Alors, putain, il a pas marché, je comprends pas. Pourquoi t'as pas fait ce que je voulais? Bah, qu'est-ce que c'est ce merdier? Attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ben alors ça, ça marche une fois sur deux, hein. Oh là là, je suis en train de perdre ma vie connement. Mais pourquoi t'as une... Ouh, ça va m'énerver, ça. Alors, moi qui suis gamer depuis longtemps, franchement... qu'est-ce qu'il me fait, Spidey, là? Bah alors? Ah bah voilà, ça y est, enfin. Eh bah dis donc. C'est un gros bordel, là. J'essayais de faire L2 et R2, ça va pas, hein, à un moment donné. C'est bizarre. Faut corriger les bugs, hein. Il y en a plein qui vont me dire dans les commentaires. Non, c'est toi qui fous le qui a fait de la merde, etc. Non, 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 je vous assure. L2 et R2, ça marche pas. Malheureusement. Voilà. On est bon. Il y en a encore plus. Oh, encore plus. Et je suis mort. Mais bordel, entre ça et ça, waouh, c'est hardcore. Quand même. Le mode incroyable, il est pas si facile que ça, je trouve. Hein. Franchement, je pensais qu'il serait facile et tout, mais non, non, apparemment non. Après, ça rajoute un peu de piment pour le challenge. Hein. C'est déjà pas mal. J'aime bien le challenge un petit peu. Quand même. Il en faut. Il en faut. Allez, Miles, il faut qu'on se dépêche. Même si c'est chiant, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais ça a l'air d'être chaud là-dedans. On est sur le coup. Lui va claquer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des bugs, les amis, sur ce jeu. Que j'en ai vu pas mal de bugs. Même avec Triox, quand il a fait le platine et tout, waouh! Par moments, ça buguait un petit peu. Oh oh oh! C'est quoi ça? Ah oui, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on a déjà affronté ça. Il me semble. Oula! Est-ce qu'il va faire une nouvelle technique? Qu'est-ce qui va se passer? What? Mystère négatif? Vous faites là? Est-ce que tout va bien? Ma famille? Il nous aide? Il m'a dit qu'il restait de ces choses à l'intérieur de lui. Je vois. Je pense que je peux réussir à les retirer. Mais je dois aller à la source. Alors j'y vais avec vous. Mais non. On va aller à l'intérieur de Peter. Mais non! Oh, trop stylé! Trop stylé! Trop stylé, les amis! Ça me donne envie de faire les autres Spider-Man avec vous. Franchement, impeccable. Ça serait trop cool. Ça serait trop cool. Franchement, impeccable. Trouver Spider-Man. Mais est-ce que ça sera cette année ou l'année prochaine? On verra bien. Parce que là, le programme de cette année, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Nouveau Zelda. Nouveau Pokémon, un petit Dragon Quest, beaucoup d'accord. De choses, voilà. J'arrive. Mais au fait, on est où? Nous sommes dans l'esprit de Spider-Man. Je l'ai où, là? Ces créatures aux habitants de la ville. Ils entrent
Oh, même avec la... Regardez comment Miles il court et tout. La concurrence. Je sais que tu plaisantes, mais tu ne crois pas si bien dire. Oh, pareil que dans le dessin animé, quoi. Waouh. Oh, trop bien le costume. Donc on élimine cette chose à la racine, et Spider-Man est libre. Oui, c'est le plan. Alors d'accord. Trop stylé. Et là, c'est pas la Vermedia qui fait une connerie, hein, loin de là. C'est vraiment la tenue de Miles. Hop, punaise. J'ai eu peur, là, j'ai cru que j'allais perdre, hein, ou un truc du genre. Waouh, trop stylé. Trop stylé. J'adore. Je vais aller où, là? Là-bas, je suppose, il faut que je le suive. Je suppose que je dois le suivre, ouais. Ouais, c'était ça. Il a plus d'emprise sur lui que je le pensais. Ok. On affaiblit le symbiote. On reprend le contrôle. Dites-moi, les amis, le pouvoir, quelles sont vos tenues préférées dans les commentaires de Peter et bien sûr de Miles. On doit trouver la source. Les deux Spider-Man. Suis-moi. Dites-moi tout dans les commentaires, ça sera la question du jour. Mais j'ignore ce qu'on y trouvera. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Martin Lee qui devient gentil. Bah, je suppose. Le raft. Home sweet home. C'est toutes les personnes. Ah ouais, carrément. Qui je comprends pourquoi est-ce qu'il carrément au raft, ouais. Après tout, nous sommes tous ici à cause de lui. Il protège New York. Ouais. Mais la prison ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Comme si je ne le savais pas. Merde, je suis foiré. Pop, 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 pop. Bon, je vais où là? Je crois que je me suis foiré. Je me suis foiré, je crois, non? Oh non, c'est bien là-haut. En bas, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois. Oh bordel, Dr. Octopus. Octopus. Et le vautour, scorpion, ouais, électro. Ah, si je dis pas de conneries, dites-moi, Rhino. Ouais, c'est les Sinister 6. Si je dis pas de conneries, je crois que ça se dit comme ça, Sinister 6. Ça. C'est une évasion. Oh bordel, c'est quoi ce bordel? Je suis franchement soulagé de vous voir. Je tâcherai d'être à la hauteur. Ces gens qui l'ont arrêté, ils reviennent sans arrêt. Ça doit être frustrant d'arrêter des crimes. Ah ouais, il y en a de plus en plus, là. C'est quoi ce bordel? Et causer du tort à nouveau. Ça fait partie du job. Il le sait bien. Comment ça? Et de croire aux secondes chances. Pour l'instant, je gère, ça va. Pour l'instant, ça va, c'est tranquille. Jamais. Ah mais il y en a trop, là. Ça suffit. Surcharge. What? Il se passe quoi là? C'était vous ça? C'est quoi ce bordel? Non. D'accord. Les symbiotes. Il les a tués. Il a résolu le problème. Ce n'est pas ce que pense Pete. Non. Mais c'est peut-être ce qu'il ressent. Tous ces malfrats. Il pensait sincèrement que le costume réglerait tout. Comment on décroche de là-haut là? Tomber du plafond. Ok, ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, faut que je rampe. Moi? Vous l'avez beaucoup fait souffrir. Une dette.
Franchement, c'est glauque. C'est vraiment glauque. La maison de May. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'elle, Pete. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Ah, c'est vraiment intéressant ce qui se passe là. Cet épisode, franchement, waouh. Le reste étant assez facile. C'est stylé, je trouve. Quelle bonne surprise. Viens me voir. Oh non. Qu'est-ce que c'est ce bordel? La recherche de l'équilibre d'un marathon. Ce n'est pas un sprint. C'est elle. Elle est morte à cause de vous. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Alors, c'est votre chance de vous rattraper. Mm-hmm. Je sens quelque chose. À l'étage. À l'étage? Il se passe quoi à l'étage? Waouh! Ouh! Le symbiote qui arrive sur Miles comme ça. Vos pouvoirs ont bien le même effet ici. Ouais. J'ai l'impression. Ça fait bizarre de voir Miles s'allier avec son pire ennemi, quoi. Voilà, une nouvelle brèche, ouais. J'ai dédié toute ma vie à cet endroit. Et c'est certainement la dernière fois que je vois l'intérieur exprès. Même si je n'y ai pas. Lee, pourquoi vous avez fait ça? Vous vouliez quoi exactement? Me venger. Ah, carrément. Les barons sont morts à cause de Norman Osborn. Pas d'accord. J'ai tout fait pour que sa vie soit un véritable enfer. Je suis désolé, Miles. Là-haut. C'est la source. Si on s'en débarrasse, nous devrions pouvoir le sauver. Ouais, parce qu'en fait, Martin Lee n'est pas... En fait, il a une mauvaise histoire derrière. On pense qu'il est méchant et tout, mais je suis sûr qu'il a une mauvaise histoire derrière. Parce que si c'est Norman Osborn qui a tué ses parents, donc un peu on appelle ça. On comprend un peu mieux, son obsession, quoi. Enfin, pourquoi il est comme ça, quoi. Je suis en train de chercher le mot qu'il faut, quoi. Enfin, les mots qu'il faut. Il y a bien une autre option. Si j'arrive à transférer tout mon pouvoir vers le symbiote, ça pourrait le neutraliser et délivrer Peter. C'est pas risqué pour vous? C'est ce qu'on va découvrir. Quoi, il peut en mourir? Bon. Si c'est ma dernière chance de vous parler franchement. Mais non. Je vous pardonnerai pas. J'en suis pas capable. Mais je peux pas continuer à vous détester comme ça. Alors on règle ce problème. Tous les deux. Quoi? Il se passe quoi là? Il lui transmet ses pouvoirs? Prêt? Mais non. J'aimerais bien savoir comment il a réussi à avoir ses pouvoirs lui. What? Il se passe quoi? Mais non. Galvanisation? What? Mais trop! M'avoir donné ce pouvoir avant, ça m'aurait aidé. Mais non. Ah bon? Waouh, 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 on voit même plus le combat là, c'est fini. Mais what, il est surpuissant, il est trop puissant là. Waouh. Ça leur fait des dégâts en plus, mais massives. Ça fait trop de dégâts. Mais non, trop bien, trop bien, trop bien. Ah mais c'est trop bien, c'est trop bien là. On est trop puissant là. Trop puissant.
gueule. Oh mais c'est trop. Je voulais te remercier de m'avoir fait confiance. Ouais, ben, comme vous dites, soyez à la hauteur. Essayez ma méthode. Oh putain, la manette qui vire et tout. Ah ouais. J'aurais pas été très convaincant. Surcharge. Essayez et vous le saurez. Je fasse quoi là? J'ai le symbiote, ok. Donc on va sauver Peter du symbiote. Ah vache. Ça l'a consumé. Waouh. Trop putain, il me fait mal. Il me fait trop mal comme ça. Tout est de ma faute. Je suis désolé. Je suis désolé. Pete. Après, j'aurais dû commencer par le premier, Miles Morales, et le 2, mais bon, vu que le 2 était de sortie, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Mais on le fera, vous inquiétez pas. On let's play. Miles. What? C'est quoi ça? Oh, sa nouvelle tenue. Partez. Je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, lorsque les symbiotes ennemis sont exposés à vos attaques anti-venom, ils sont infectés par l'anti-venom et subissent des dégâts supplémentaires. Ah, c'est le costume anti-venom. Mais non. Oh, punaise. C'est bien plus. Ah, en vrai, il est pas mal, hein. L1, bombe anti-venom, ok. Wouah, c'est, eh, c'est surcheaté ça. Ça a l'air surcheaté quand même. Ça sort d'où ce truc? Avec le symbiote de Venom, c'est ça? En gros, c'est un mélange de mystère négatif et du symbiote de Venom, quoi. J'allais quand même pas te laisser mourir. Miles, force de trop te dire merci. J'ai l'impression que ça en perd de sa valeur. C'est pas grave. Je ne mérite pas ça. Oh, ça va, c'est stylé. Boum. Mais waouh, trop bien. Il a l'air ultra cheaté le costume en vrai. Alors, ça nous dit quoi maintenant? Elle tempête un anti-venom. Ok. Wouah, la vache! Ça fait mal quand même. Ça doit faire mal quand même. Je suppose. Le symbiote colossal. Putain, on a Ryax, on a retrouvé le titan colossal, mais version symbiote. Cadeau. Vu que t'es un grand fan de l'attaque du titan, voilà quoi. Petit clin d'œil. Mais encore, le titan colossal est plus grand que ça. Ça sert à rien, ça. En vrai, c'est rien. Po, l'antivenom. Trop bien. Je devrais vous remercier. J'ai gaspillé des années de ma vie à courir après la vengeance.
Et au final, j'ai tout perdu. Vous m'avez rappelé que je valais mieux que ça. J'avoue. Que sauver une personne, c'est sauver le monde. Il est pas si méchant que ça, j'ai l'impression. Il a certainement fait le mal, mais... Qu'est-ce que vous allez faire ? Je pense qu'au fond de lui, il est gentil. Très gentil même. Arranger les choses. Il est juste corrompu. Mais il a été corrompu. Bon, bah super l'épisode, hein, franchement. Waouh. Impec. Reconverti ton ennemi juré. Moi, j'ai jamais fait ça. MJ a peut-être raison. La ville n'a plus vraiment besoin de moi. Mais si, on a besoin de toi. Ouais, quoique, ouais, vu qu'il y a maintenant, il y a Miles, ouais. J'ai quand même l'impression comme ça. Que deux Spider-Man ne sont pas de Fichons le camp d'ici. Est-ce que Spider-Man, donc Peter Parker, va partir en retraite de héros? Donc ça veut dire qu'il ne sera plus là pour protéger la ville, ça sera Miles. Enfin, autour de Miles, de faire la part des choses. On verra prochainement. De toute façon, des nouvelles d'Harry ? C'est pas encore fini, quoi. C'est pas encore fini. On a encore du temps, quoi. Et des épisodes à faire. Une trace de symbiote en moi. Ça a commencé à prendre le dessus, même. Martin Lee m'a donné son pouvoir. Mais c'est différent. Les voix sont parties, il reste plus que le pouvoir. C'est incroyable. Et Pete, je voulais juste que tu saches. On a retiré ma signature de l'article. Mais non. Et j'ai aussi donné mon préavis. Ça veut dire que... Ça veut dire que si jamais le monde doit se transformer en cauchemar alien, c'est avec toi et personne d'autre que je veux me retrouver englué. Ah, carrément. Bah, c'est réciproque. Continue de chercher, Harry. Je te ferai signe si j'entends quoi que ce soit. Ok. Pendant que je cherche Harry, je devrais regarder qui a besoin de mes speeder services. Ouais, il y a pas mal de cas secondaires à faire. Hein. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. Bah écoutez, abonnez-vous comme d'habitude, likez la vidéo, mettez un petit commentaire si vous voulez, pour répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, etc. Je mettrai la question en description. Je l'oublierai pas cette fois-ci. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Spider-Man 2 et d'autres jeux, bien sûr. Hein, les autres jeux. Il faut bien qu'on les termine un jour. Et je vous dis à très vite. Gros bisous à tous. Ciao, ciao tout le monde.